cree, profesor, que a veces, aunque la imagen sea esta posibilidad humana de traspasar los tiempos, las fronteras, sí, claro, con frecuencia los poderes intentan detener a la imagen? Lo pienso porque usted escribió este libro maravilloso, Image Malgré Tout, ¿sí?, donde nos propone la idea de que, aunque no podemos hacer imágenes de lo terrible, podemos construir imágenes desgarradura, una idea batailiana. ¿Pero no será que Trump y Hitler, quizá los dos, intentaban crear un muro a la imagen? ¿Sería el mismo gesto el de Hitler y el de Trump en ese sentido? Oui, mais aussi bien Trump que Hitler, Hitler qui avait donc un discours esthétique précis, mm-hmm, il a fait un discours en 1937 dans l'ambiance de cette fameuse exposition sur l'art dégénéré. Mais mm-hmm, Hitler, bon, on va très longtemps se souvenir de Hitler, ça c'est sûr. Mais on va se souvenir plus longtemps encore de Paul Klee, vous voyez ? De Paul Klee. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, Paul Klee est notre trésor. Hitler, mm-hmm, est notre contre-trésor. Hein. Voilà. Mais je pense que la migration des images, elle est plus forte que tout. Elle est forte. Elle est plus forte que les êtres humains eux-mêmes. Vous avez fait référence, mm-hmm, à ce livre sur les images de Auschwitz. Ce qui est exemplaire dans ce cas, mm-hmm, c'est que la personne qui a fait les images savait très bien qu'elle allait mourir. Claro. Elle a fait quand même les images, mm-hmm, de façon à ce que les images, en quelque sorte, migrent, claro, voyagent, parviennent jusqu'à nous depuis un endroit qui était complètement fermé. Et donc, la migration dans l'espace va de pair et coexistante avec une migration dans le temps, ce que Warburg appelait la survivance. Uh-huh. Donc, l'image a survécu à celui qui a fait l'image. Claro. Celui qui a fait l'image savait qu'il ne survivrait pas, mais ce qui comptait, c'était la puissance de... la puissance de son désir de témoignage, parce qu'en fait il s'agissait, mm-hmm, dans ce cas-là, non pas d'une œuvre d'art ou de ce que vous voudrez, hein, mais il, claro, s'agissait d'un témoignage. Et je pense que ce qui m'intéresse fondamentalement, finalement, c'est la puissance des images, c'est-à-dire la faculté qu'ont les images de la potentia, hein, c'est pas le poder. Moi, j'oppose complètement poder et potentia, la puissance, potentia, et poder, le pouvoir. Les images d'Auschwitz n'ont aucun pouvoir, c'est rien du tout. Mais elles ont une très grande puissance. Et ça a à voir avec le désir que cet homme avait, ou que ce groupe même, c'est une, mm-hmm, chose collective, avait de transmettre à l'extérieur de ce camp complètement fermé une connaissance.